Yo tout le monde, c'est Swiss sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire le live summit Flashy 80 du 26 août au 2 septembre. Récompense Flashy 80. En bronze, on a un pack de notoriété 300 000 followers. En argent, on a un pneu blanc commun. En or, on a des pièces légendaires boostées en Demolition Derby. En platine, on a une teinte Vibe rétro rare. Du coup, on va savoir du coup les défis slash épreuves de ce live summit. Donc, je vais vous montrer du coup tous les véhicules qu'il va falloir. Donc là, on n'a pas de restriction. Enfin, on a une restriction sur toutes les épreuves, comme vous pouvez le voir. Donc, on va être obligé d'utiliser un véhicule. On va être obligé d'utiliser le véhicule dans toutes les épreuves. Il y a juste les défis, mais personnellement, les défis. On va dire qu'il y a une restriction parce que c'est très simple de savoir quel est le véhicule qu'il faut utiliser. Miami South Beach. C'est un summit qui est quand même assez simple quand même. Hein, en vrai, le platine va être quand même simple. Alors du coup, on va aller dans véhicule, on va aller dans discipline Drag Race. Hein. Je vous conseillerais du coup de la Chevrolet Corvette Stingray pour faire ce défi radar. Alors le défi radar, je vous conseillerais de le faire dans l'autre sens. Donc, il faudra passer en dessous des 5 km/h pour pouvoir passer de l'autre côté du radar. Donc là, vous vous mettez vraiment à la limite du rond vert. Hein. Donc, le rond vert, c'est tout simplement la limite où on peut pas aller plus loin. Si on va plus loin, on va être hors du rayon. Et si on reste trop longtemps en dehors du rayon, le jeu va nous re-TP dans. Il va nous faire sortir quoi, du défi. Parce que c'est considéré comme si on trichait, si on sort du rayon. Ce qui est totalement normal, hein, bien entendu. C'est 149. Hein. Pas mal, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup là franchement. Enfin, on a gagné des points. 635, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de plus à accumuler au summit. Alors maintenant du coup on va se faire du coup le défi fuite, hein. Aucune restriction. Orangerie. Alors du coup, je vais vous dire quel est le pourboot qu'il faudra utiliser pour faire ce défi fuite. Alors il va falloir du coup aller dans pourboot. Et le bateau que je vous conseille, c'est celui-ci, celui qui est là. Donc le faucheur 14-14 démon. Alors pour le fuite, vous avez le choix d'aller derrière, à droite ou à gauche. Je vous conseille d'aller à gauche. Alors je vais vous dire exactement où il va falloir aller pour faire un score. Un score bien entendu, un bon score. Hein. Vous avez juste à me suivre, hein, faire exactement comme je fais dans la vidéo. Ou sinon vous suivez le record mondial. Hein. Donc le petit point gris, hein, vous voyez ça c'est le record mondial. Vous avez juste à le suivre hein, et vous ferez le score que je vais faire actuellement en vidéo. Alors moi j'ai fait un score tellement élevé que j'ai pratiquement fait le record mondial. J'étais à 700 mètres près de faire le record mondial. Donc je me mets quand même pas mal. La première fois, j'étais beaucoup mieux. La dernière fois, j'avais fait passer les 400 km/h. Vous voyez, c'est 6700 quelque chose. Alors moi, j'ai fait 6000 mètres, je crois. 6000. Donc là, j'ai perdu seulement 100 mètres. Vous voyez. Voilà. J'ai perdu, voilà, comme j'ai dit, j'ai perdu à peu près 100 mètres. Mais personnellement, hein, si vous faites seulement moins 1392, ça vous fait 125 000 à peu près. Ça va, personnellement, ça va. Hein. Moi, j'ai juste eu de la chance de faire un score pareil. Hein. Maintenant, bah, du coup, on va faire le défi aérobatique. Hein. Aucune restriction. Miami.
Donc je vais vous dire quel est du coup l'avion qu'il va falloir utiliser. Alors, on va aller du coup dans Air Race et l'avion que je vous conseille c'est celui-ci, c'est l'Harman Rocket HR3. Alors pour faire un bon score, pour passer tous les anneaux au vert, alors dit comme ça, bon bah ça a l'air faisable, mais c'est plus compliqué que ça n'a pas failli paraître. Le problème de passer ces cercles ronds à tout simplement au maximum de points qu'on peut obtenir, c'est très très compliqué d'obtenir le maximum de points dans les ronds. Alors il suffit tout simplement de se positionner parfaitement aligné par rapport au truc, hein. Mais hors caméra, c'est possible que j'arrive à passer tous les anneaux à 1000 points. Et après, bah, le score forcément il sera mieux. Je suis de retour avec les pièces. Navajo Trail Rally Raid 959 Raid. La Porsche 959 Raid, c'est le véhicule du coup que je vous conseille. Alors cette épreuve là du coup je voulais rajouter au montage parce que j'avais oublié de faire cette épreuve. Du coup je voulais rajouter histoire que du coup en plus j'ai bien fait du coup de vous rajouter cette épreuve au montage parce que regardez j'ai gagné beaucoup de points en plus.
Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que j'avais oublié de faire cette épreuve durant le tournage. Et du coup, je l'ai rajouté en faisant un cut. Voilà. Non, du coup, après, du coup, on va savoir du coup l'épreuve avec la DMC12. Donc, je n'ai pas les pièces. Donc, à tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Miami Raid. DMC12. Alors, vous avez le choix entre deux DeLorean. Donc, vous avez la DeLorean DMC12 et la DeLorean DMC12 Raid Edition. Alors, comment j'ai fait pour revoir cette véhicule édition? J'ai tout simplement joué cette épreuve. Donc, j'ai fait Miami Raid en PVE. Alors, PVE, c'est tout simplement hors summit. Hein. Le summit, c'est PCJ. Enfin, c'est. Enfin, le PVE, c'est la carte du jeu. Donc, vous faites simplement une épreuve Écoute ce que qui est dit sur ton la carte de moteur ce jeu. et tu vas tout déchirer. Donc, le véhicule vous sera prêté. Hein. Simplement que le véhicule. Il va vous prêter le véhicule pour faire l'épreuve. Et une fois que vous avez fini l'épreuve, le véhicule, vous l'aurez tout simplement dans votre poche. Voilà. Pas plus compliqué que ça, vous avez compris, le véhicule, vous l'aurez simplement en faisant rien. Vous avez juste à faire l'épreuve. Vous finissez l'épreuve et vous avez cette voiture-là gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Donc, je sais même pas du tout si elle est achetable, hein, la voiture. Hein. Mais si elle est achetable, ne l'achetez pas. Hein. En fait, l'épreuve, vous l'avez gratuitement. Hein. Parce que je n'ai aucune idée si cette voiture-là est achetable ou pas. Hein. Ou vraiment, pour l'avoir, il faut vraiment faire l'épreuve. Hein. C'est quand même bête de dépenser de l'argent alors qu'on pouvait l'avoir gratuitement. Enfin, je tiens juste à vous le dire parce que si jamais vous voulez l'avoir, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Pour une fois qu'on a un véhicule gratuitement, c'est-à-dire que c'est très simple. Hein, tu finis l'épreuve, c'est-à-dire que tu en as pour moins de 3 minutes. Hein, et en moins de 3 minutes, cette voiture, tu la possèdes définitivement. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, t'as tout compris, hein, si j'avais t'as compris, voilà, c'est comme ça que tu fais pour l'avoir. J'ai fait une vidéo sur la nouvelle épreuve de jeu 2. Hein. Donc cette nouvelle épreuve, j'en ai fait une vidéo. Hein. Bien entendu, j'ai fait une vidéo pour toutes les nouvelles épreuves qui arriveront sur le jeu 2. Hein. Donc j'ai fait toutes les épreuves du jeu. Hein. Et donc du coup, bah, bien entendu, hein, je continue dans ma lancée. Hein. Le jour où il y a du nouveau contenu en termes d'épreuves, il y aura des vidéos. Alors là, je voulais foncer, mais j'ai pas réussi. Franchement, cette épreuve elle est vraiment pas mal. Moi, je la trouve vraiment magnifique. En tout cas, le filtre violet, il est vraiment beau. Les années 80, c'est vraiment bien, franchement. Parce que là, là c'est que la troisième épreuve qu'on a sur le jeu. Hein. Pour information, on va encore en avoir encore quelques, on va en avoir encore un peu hein, des épreuves comme ça. Hein. Pas la dernière épreuve. Hein. Pour vous dire, il y en a 7 hein, épreuves de ce type-là, à plein d'endroits différents. Donc là, on a fait le moins bien du coup de 3 secondes. Ça ferait 116 000 si jamais j'avais fait actuellement. C'est pas trop mal. Mais on peut faire mieux. Mais vu que j'ai commenté, du coup, j'ai un petit peu moins bien joué. Alors du coup, maintenant, on va faire du coup l'épreuve avec la Eldorado. Hein. Donc j'ai pas les pièces, vu que les pièces, elles sont bah, pour celle-là. Malheureusement, je n'ai pas deux chimistes de la Nitro Ultra Gonflée Pure. Donc c'est un désavantage que j'ai. Donc du coup, je reviens. Quand j'ai pièce, à tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Donc la Cadillac Eldorado, c'est le véhicule que je vous conseille.
T'es une rockstar. Arrange-toi pour rester en tête. Je suis de retour avec les pièces. Coral Gable. La Cadillac Eldorado, c'est le véhicule que je vous conseille. Les doigts. Thank you.
On a fait plus une seconde. Donc moins une seconde. On a gagné un petit peu de temps, c'est pas mal. Alors maintenant, du coup, on va se faire du coup l'épreuve avec la 512 TR. Alors j'ai pas les pièces, donc je reviens à tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Ferrari 512 TR, c'est le véhicule du coup que je vous conseille. Littéral côtier vers Los Padres. Allez, je t'envoie des ondes positives. On a fait moins de 20 secondes de 263 dixièmes. C'est pas beaucoup, franchement, on aurait pu battre notre record là. Alors maintenant, du coup, on va se faire du coup l'épreuve de Touring Car avec la F40 LM. Donc du coup, ben, j'ai les pièces, donc on va pouvoir faire l'épreuve tout de suite. Circuit Miami et Arizona.
La Ferrari F40 LM, c'est le véhicule que je vous conseille. Secondes de meilleur. Donc pratiquement 4 secondes, donc 13 946 points. Donc ça c'est vraiment pas mal. Surtout que c'est la seule épreuve où on n'a pas obtenu beaucoup de points. Et avec ça, on a obtenu beaucoup de points. Donc là c'est vraiment bien. Maintenant du coup on va se faire du coup l'épreuve de Touring Car hein, qui se fait en Street Race avec la Fibirtin. Donc ouais. Donc j'ai pas les pièces pour ce véhicule-là, donc je reviens quand j'ai les pièces. À tout de suite. C'est quand même con, quand même. Qu'il y a un problème avec le commandement.
Je suis de retour avec les caisses. Serial Jumper. Le véhicule que je vous conseille, c'est la Pontiac Firebirt. Fastoche les mains dans les poches. Du coup, on a fini du coup toutes les épreuves et défis de ce live summit. Maintenant, je vais vous présenter toutes les pièces performance à fixe pour toutes les épreuves et défis. A tout de suite. Pour le défi radar, hein, je vous conseillerais la Chevrolet Corvette Stingray avec les pièces performance de pur frénétique et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour le défi fuite, hein, je vous conseille le Faucheur 1414 Démon avec les pièces performance de ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour le défi aérobatique, je vous conseillerais l'Harmon Rocket HR3 avec les pièces performance de surdoué pur et pulvériseur de score
Pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Rally Raid, je vous conseillerais la Porsche 959 Raid avec les pièces performantes, avec les affixes ultra gonflés boueux et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la toute première épreuve de Street Race, je vous conseillerais la DeLorean DMC 12 Raid Edition. Avec les pièces performance de ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la deuxième épreuve de Street Race, je vous conseillerais la Cadillac Eldorado avec les pièces performance de ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la troisième épreuve de Street Race, je vous conseillerais la Ferrari 512 TR avec les pièces performance de ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro. Pour vous, 7 pièces. Pour l'épreuve de Touring Car, je vous conseillerais la Ferrari F40 LM avec les pièces performance de pur ultra gonflé chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Touring Car qui se fait en Street Race, je vous conseillerais la Pontiac Firebird avec les pièces performance de ultra gonflé pur et chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Maintenant, du coup, on a fini du coup le live Summit. Donc, on a fini du coup tous les défis, on a fait toutes les épreuves du Summit. Donc, du coup, maintenant, je vais vous montrer du coup quel est le prochain Summit avec ses récompenses. Donc, le prochain Summit est du coup à World of Cars du 2 septembre au 9 septembre. Donc, récompense à World of Cars. En bronze, on a un pack de notoriété 400 000 followers. En argent, on a une Nissan 370Z. Nismo édition Drift, toutes les pièces cosmétiques. En or, on a des pièces légendaires boostées en hypercar. Et en platine, on a une Plymouth Roadrunner Freedom édition. Et voici du coup les épreuves du coup de ce prochain live Summit. Alors le véhicule prêté ici, il y a marqué véhicule prêté pour vous dire le véhicule prêté, ça sera la Plymouth Roadrunner Freedom édition. On va pouvoir la jouer dans cette épreuve-là, donc où il y a marqué véhicule prêté, donc c'est très intéressant parce que du coup on va pouvoir tester le véhicule et voir si le platine nous intéresse ou pas de l'avoir du coup. Donc du coup je vous donne rendez-vous du coup le 3 septembre pour la vidéo de Summit, donc la vidéo de Summit, et je vous retrouve du coup le 2 septembre à 22 h pour vous présenter du coup le live Summit, donc faire le Summit avec vous en live. Donc je vous donne rendez-vous. Du coup, et ben mercredi 2 septembre à 22 h. C'était Solution Trophée.